Donc, bienvenue à ce rendez-vous sur les outils du plan de reprise d'activité qui sera animé par Valérie Chauvac et Vincent Valade du Conseil du Centre de gestion de la Corrèze. Merci beaucoup pour ce partenariat que nous conduisons avec les centres de gestion du Limousin qui nous permet d'animer plusieurs sessions sur des sujets d'intérêt pour l'ensemble des collectivités. Parfait. Bon, très bien. Donc je vous salue tous présents ce matin. Je vous remercie naturellement de votre participation sur ce webinaire. J'espère donc qu'on va pouvoir vous apporter à la fois des réponses à vos questions et puis surtout vous apporter des outils donc pour la construction de vos plans de reprise d'activité qui pour certains sont peut-être déjà faits, mais bon, il est toujours temps d'intervenir et de s'y repencher. On se nourrira, nous aussi, des échanges qu'on peut avoir aujourd'hui avec vous, parce que ça nous permettra aussi d'adapter à la fois nos outils et notre auprès de vous. J'espère que vous entendez bien, tout va bien? Oui, on t'entend bien. Je pense qu'il y a un micro qui n'a pas été coupé. Je vais regarder ça. Donc, on va intervenir à deux voix ce matin. Mon collègue Vincent Valade, qui est donc le responsable du service santé sécurité au travail au CDG 19, et moi-même. Donc, on va essayer de vous présenter le travail qu'on essaye de réaliser auprès des collectivités. Mais n'hésitez pas à nous interrompre s'il y a des choses ou des questions qui viennent au fur et à mesure. Voilà, donc ce que je tiens aussi à préciser avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que le travail qui va vous être présenté, c'est un travail que l'on a fait à plusieurs pour accompagner les collectivités dans un mode collaboratif, puisque on a travaillé à plusieurs CDG et c'est de coutume aujourd'hui pour nous de travailler avec l'ensemble des CDG de la nouvelle région Aquitaine, des 12 CDG, et puis à cette occasion peut-être plus particulièrement avec nos collègues du CDG de la Creuse et de la Charente-Maritime. Alors ce travail collaboratif, il a été également construit dans un contexte de crise pour nous et donc a nécessité qu'on s'adapte un peu et qu'on mette en place des modes de fonctionnement un petit peu nouveaux. Voilà ce que je voulais quand même préciser avant toute chose. Donc aujourd'hui, par rapport aux mesures de confinement qui se sont terminées le 11 mai dernier, la plupart des mesures sanitaires sont toujours d'application et devront se poursuivre pour qu'on puisse parvenir à éviter la recrudescence de la pandémie. Aussi pour les employeurs des collectivités, il va falloir réorganiser la reprise des services en tenant compte des recommandations et de l'évaluation des plans de continuité d'activité, du recensement de l'absentéisme que vous avez pu faire et des conditions d'accès dans vos locaux en respectant bien sûr les gestes barrières et les mesures de prévention que vous jugez pertinentes. Formellement, donc, ça va passer par la formalisation d'un plan de reprise d'activité et la mise en place de ces mesures pratiques et organisationnelles, puisque les enjeux sont importants, tant sur le plan humain, au niveau des agents, mais aussi du public, des collectivités, des administrés. Au niveau financier, naturellement, cette crise que nous avons traversée a forcément des impacts financiers et économiques qui sont conséquents, juridiques également. Donc, la construction d'un plan de reprise d'activité, ça se prépare, ça se réfléchit, ça se met en place dans un contexte, encore une fois, de crise qui donc est parfois difficile et nécessite un temps qu'on n'a pas toujours eu la possibilité d'avoir sur la construction du PCA, du plan de continuité d'activité. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous présenter avec Vincent ce matin. Et donc, je vais laisser poursuivre Vincent. Donc, on fait un petit réglage de micro. Bonjour à tous. Puisqu'on est en fait dans la même salle et il y a des effets Larsen parfois sur les micros. Mais ça va se régler. Je vais faire également un partage d'écran pour vous afficher un diaporama que l'on a bâti et qui permettra
qui nous servira, on va dire, de fil conducteur de nos propos. Et je reviendrai ensuite sur les visios par moment pour aller vous chercher et puis voir, vous, comment les questions que vous pourriez avoir sur ce sujet, voir comment vous avez vécu cette période un petit peu particulière et puis échanger plus précisément du coup sur les outils. Donc le thème qui nous réunit aujourd'hui, le plan de reprise d'activité, et on fera un large focus en tout cas sur un apport méthodologique et les outils et les mesures qui peuvent être mises en application dans le cadre de ce plan de reprise d'activité. Donc Valérie l'évoquait, un contexte un petit peu particulier, on va partir de la fin du confinement, donc le 11 mai, donc reprise d'activité, mais malgré tout dans un contexte de risque épidémique qui est toujours présent, et on s'est permis quand même de rajouter dans un contexte peut-être fortement anxiogène, ou en tout cas dans lequel les risques psychosociaux peuvent être plus ou moins présents au sein des collectifs de travail. En tout cas, ces éléments-là devront, selon moi, guider nos réflexions dans le cadre de la construction du plan de reprise d'activité et dans sa mise à jour. Donc, je reprends aussi les propos de Valérie. Effectivement, quand bien même un plan de reprise d'activité n'est pas encore été rédigé au sein des collectivités, j'ai envie de lancer le message, ben, il est jamais trop tard. Et pour ceux qui l'ont rédigé, ça reste néanmoins important de le re-questionner très régulièrement. Vous verrez que, enfin, les informations sur le sujet avance très très vite et on voit bien que les organisations sont amenées à se re-questionner, à s'adapter dans des délais parfois très courts. Donc selon moi, en tout cas, l'échange que l'on a aujourd'hui a tout son sens et est complètement d'actualité. Alors simplement pour finir de planter le décor sur le contexte actuel et puis les différentes problématiques que la crise sanitaire que l'on vit actuellement peuvent soulevé au sein des collectivités. Alors, dans un premier temps, c'est une crise sanitaire qui est inédite. Inédite, en fait, du fait de la nature de la menace, puisqu'on est sur un risque biologique et puis un virus que l'on connaissait pas jusqu'à présent. Et puis, inédite aussi, de par l'accès à l'information ou la circulation de l'information. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, on est dans un contexte où il y a beaucoup d'informations qui circulent très très vite dans des délais très très courts et c'est parfois difficile d'y voir clair et c'est difficile, j'imagine, en tout cas pour les décideurs, de mettre en perspective tout ça et puis de définir en tout cas la stratégie qui sera fixée dans l'organisation et dans le plan de reprise des activités. Donc, crise sanitaire inédite, et effectivement, le fait qu'elle soit inédite fait qu'on ne dispose pas de référentiel sur lequel on pourrait s'appuyer et qui pourrait guider finalement l'action de réflexion des organisations. Autre problématique ou autre point de vigilance, c'est prendre en considération que les problématiques peuvent être très différentes d'une collectivité à une autre, d'un service à un autre, et puis, quand on va un petit peu plus loin, d'un agent à un autre. Donc ça, c'est des éléments qui devront guider, en tout cas, nos réflexions dans la construction du plan de reprise d'activité. Alors, différentes problématiques d'une collectivité à une autre, de par le fait que certaines collectivités ont pu très facilement et très largement revoir leur organisation en télétravail, d'autres pour lesquelles beaucoup d'activités ont été maintenues sur le terrain. Je pense notamment aux activités de collecte des déchets, je pense aux EHPAD, je pense aux syndicats des eaux, et j'en oublie. Donc il y aura et tout ça, ça va influer évidemment dans le plan de reprise d'activité de ces collectivités. Des situations bien sûr particulières entre services, et puis après des situations aussi différentes et singulières selon les agents. On reviendra aussi sur d'éventuelles questions que vous pourriez avoir sur le sujet et notamment sur le fait que certains agents aient pu travailler en présentiel et puis être placés en autorisation spéciale d'absence ou bien encore en,
en télétravail. Autre point qu'il va falloir prendre en considération, hein, quand je parlais de l'aspect reprise dans un contexte finalement un peu anxiogène, et en tout cas psychosocial un peu particulier, c'est qu'au sein des organisations, vous pourrez, vous serez peut-être confronté à des agents qui ont vécu des situations de décès, alors peut-être même de certains agents, ou qui ont perdu des proches. Là encore, je pense aussi aux EHPAD qui ont peut-être aussi vécu des situations de décès de résidents, avec toute la charge, on va dire, émotionnelle que cela peut apporter, et donc ça complexifie encore plus la reprise. Donc la problématique, c'est comment instaurer ou réinstaurer la confiance réciproque dans certaines relations sociales liées au travail. Voilà, comment remobiliser les équipes dans ce contexte-là. Dans quelle mesure la crise sanitaire est susceptible d'avoir modifié profondément l'organisation et l'ambiance de travail, il y aura forcément un impact, et je crois que l'idée, en tout cas par le biais du plan de reprise d'activité, c'est de commencer à mesurer l'impact que la crise a amené au sein de l'organisation et de l'ambiance de travail. Voilà. Et le challenge, je pense, c'est bien de retrouver un collectif de travail, retrouver une bonne ambiance de travail en tenant compte de tous les éléments que j'ai pu dire par ailleurs. Le confinement aura peut-être remis à jour des problématiques autres de santé publique. Ça a été évoqué, c'est un risque ou un point de vigilance qui a été relayé assez largement aussi dans les médias, en disant que d'autres problématiques, ça peut générer la période de confinement a pu mettre en exergue peut-être des problématiques d'addiction, entre autres, qu'il faudra prendre aussi en considération au niveau de la reprise d'activité. Problématiques d'addiction, manque d'activité physique, des mauvaises alimentations, ou des problématiques liées à des pathopsies qui seraient peut-être encore plus marquées lors de la reprise. Donc quoi qu'il arrive, en fait, que ce soit la collectivité, les encadrants, les agents, à chaque fois, on sera amené dans les réflexions à évaluer et à faire un bilan, on va dire, bénéfice-risque dans le cadre de cette reprise. Et on verra que ce bilan, cette analyse, et cette évaluation, elle n'est pas toujours si évidente que cela. Et au final, même si elle n'est pas évidente, à un moment donné, il va falloir définir une stratégie et une orientation. Et le dernier point non négligeable qui peut peser au sein des collectivités et des organisations, c'est parfois l'incertitude liée au second tour des élections et à la non-installation des élus à l'issue du premier tour, ce qui fait que parfois on est face à des organisations qui sont à ce jour non stabilisées, avec toutes les problématiques que cela peut engendrer. Voilà pour faire un panel ou un cadre général des problématiques soulevées par cette crise et qu'il faudra finalement avoir en tête dans le cadre de nos réflexions sur le plan de reprise d'activité. À ce niveau de la présentation, ce que je vous propose, c'est je vais couper, du coup, je vais arrêter le partage d'écran, je vais revenir sur les caméras, et puis j'ai envie de vous poser la question, est-ce que finalement le constat ou les problématiques que j'évoquais vous parlent? Comment ça s'est passé chez vous? Enfin, voilà, quelles interrogations cela vous amène? Alors, n'hésitez pas à demander la parole, soit en utilisant le chat, hein, juste signifier que voilà, vous souhaitez prendre la parole. Est-ce que vous nous entendez? Du coup, j'ai pas de réaction. Est-ce que ce constat, finalement, il est partagé? Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires qui seraient à prendre en considération dans ce contexte? Ah, Vincent, nous sommes peut-être tout seuls.
J'avoue que j'ai un doute. Tout le monde nous entend? Je vois que Madame Dartout essaie de. Voilà, donc. Je vous entends. Oui, je pense que les personnes nous entendent. Alors. Est-ce que quelqu'un. Oui, ça fonctionne. Ok, merci. J'ai eu une petite angoisse. D'accord. Françoise Sanran, vous nous dites que vous êtes étonnée. Est-ce que vous avez un micro pour prendre la parole et peut-être partager cet étonnement? Non, Françoise n'a pas de micro. Donc, c'est plus… Chabrignac, peut-être souhaite prendre la parole. Est-ce que vous avez un micro? Oui, j'ai mis un micro. J'espère que je ne parle pas trop fort et que ça ne provoque pas de l'arsène. Non, c'est parfait. Vous entendez ? On parlait des élus, effectivement. Nous, c'est la difficulté de n'avoir pas pu rassembler de conseil d'administration jusqu'ici, avec des difficultés en termes de contrat de travail. Je l'avais évoqué avec le service RH du centre de gestion. Puisque j'ai dû faire face à des surcroîts d'activités liées à une organisation particulière en Covid-19, c'est-à-dire des services en chambre qui généraient des surcroîts en termes d'entretien des locaux, également de mise à disposition des plateaux, etc. Donc, voilà, quelques petits détails techniques qui auraient nécessité une validation et une délibération de conseil d'administration qui n'a pu se faire. Donc, en termes contractuels, c'était un petit peu le flou artistique. Donc, on a pris quelques libertés en espérant que, ben voilà, de ne pas être trop hors la loi, c'était effectivement pour faire face à des surcroîts réels d'activité. Je ne sais pas si cette question est aujourd'hui, est bien positionnée au niveau du débat maintenant, mais bon, c'est quelque chose qui correspond à la mise en place des conseils d'administration, effectivement. Oui, merci beaucoup pour votre témoignage. Et oui, ça rentre dans le cadre de ce que vous avez vécu sur la période, tout à fait. Je vois que Laurence Dartout veut bien prendre la parole. Est-ce que, Laurence, tu as un micro, tu peux intervenir? Laurence, alors peut-être qu'elle a été ou qu'elle ne m'entend pas. Je vois que Françoise Sanran nous dit les agents ont eu beaucoup d'idées pour la mise en place du PCA. Donc ça, c'est intéressant aussi, j'imagine pour vous, centre de gestion, que ça a été du collectif aussi. D'accord, je vais donner la parole à Nathalie Flaquière du conseil départemental de la Haute-Vienne. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je voulais abonder effectivement dans le sens de ce qui a été dit. Donc nous, le plan de reprise d'activité a été mis en place et donc il est appliqué aujourd'hui. Donc pour ma part, moi je suis sur la maison du département, donc sur une maison du département. Et c'est vrai que je remarque une difficulté particulière. Alors d'abord, dans la mise en place des protocoles, ce sont des protocoles qu'on n'est pas habitué à utiliser. Donc tout ça est très compliqué et l'appropriation de ce protocole demande du temps et de l'homogénéité, parce que c'est vrai que toutes les personnes ne l'utilisent pas de la même façon, ne le mettent pas en place de la même façon. Donc ça, c'est vraiment une complexité. Tout en rendant quand même les maisons de département attrayantes, donc en ne bloquant pas trop les usagers par rapport à tous ces protocoles, en trouvant aussi un juste milieu par rapport à ça. Donc tout ça est très très compliqué à mettre en place. Et l'autre difficulté à laquelle on est confronté aussi, c'est la différence d'appréciation de la dangerosité de la situation par les différents agents et également par les usagers. C'est-à-dire que pour certains agents, bon voilà, ça reste encore quelque chose de très anodin, on va dire, malgré tout, avec des gens relativement peu touchés, c'est vrai. Avec une difficulté à faire passer le message quant à ces protocoles, à leur importance.
Et donc la difficulté aussi de faire travailler ensemble des personnes donc, qui ont une vision très très différente de ces de cette dangerosité de la situation qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Donc c'est simplement un sentiment que j'ai aujourd'hui avec une reprise d'activité qui est récente. Hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire aller tout le monde dans le même sens et de faire cohabiter un petit peu toute cette vision des choses. Quoi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, du coup, en interaction, tout ça, ça me parle assez fortement. Effectivement, les trois points que vous évoquez, dans, en tout cas les protocoles à rédiger très probablement dans des délais très très courts, les agents, ils ont eu à l'intégrer eux aussi dans des délais très 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 courts, et tout ça, c'est pas évident. Mais j'ai envie de dire, la gestion de crise, c'est un exercice très particulier, et on n'est pas préparé à cela. Alors, quand je vous dis ça, je suis un peu borgne, dans le sens, enfin, je suis par ailleurs, je suis pompier volontaire, donc la gestion de crise ou l'urgence, ça me parle aussi dans ce contexte-là. Et effectivement, ça a demandé aux organisations de définir des stratégies très 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 rapidement et de faire le lien avec les agents là aussi très rapidement. Et au-delà d'avoir défini une stratégie, un jour J, c'est d'être en capacité de l'adapter là aussi quasiment d'une semaine à l'autre. Voilà. Mais c'est la particularité de la gestion de crise. Et je reviendrai sur ce là-dessus. Parce que, enfin, d'où l'importance du sujet que l'on abordera après, c'est quelle méthode on se donne dans la construction du plan de reprise d'activité pour faire en sorte que cette gestion de crise soit efficiente dans toutes ses dimensions. Voilà. Donc ça me parle bien. Après, vous avez évoqué finalement la perception des agents par rapport au risque. Ça aussi, c'est un élément qui va être extrêmement compliqué, qui en temps normal est présent. C'est-à-dire qu'on a tous une perception du risque qui est différente d'une personne à une autre. Donc ça, c'est des éléments qu'il va falloir prendre en considération. Au bout du coup, il y aura un arbitrage. Une décision qui sera prise, mais quand il arrive, effectivement, il y aura des perceptions différentes du risque. Je reviendrai aussi sur ces éléments. Ça, on ne pourra pas. Et enfin, quand je dis des perceptions différentes, c'est qu'à ce jour, on ne peut pas complètement arbitrer sur qui a raison ou qui a tort. Je reprends les éléments contextuels. C'est une crise inédite. C'est un virus qu'on ne connaissait pas et dont on découvre finalement chaque semaine. On en découvre un petit peu plus. Donc, dans l'analyse du risque et dans l'évaluation du moins du risque biologique, c'est parfois pas évident de prendre une position. Voilà. Et le dernier point que vous soulevez dans votre témoignage et que je trouve là aussi extrêmement important et primordial au sein des organisations, et on reviendra dessus parce qu'il a un intérêt majeur dans la démarche de construction du plan de reprise d'activité, c'est l'étape de communication et d'information des agents. Aussi, ça sera, et en gestion de crise, alors, en temps normal, elle est extrêmement importante, et en gestion de crise, elle est primordiale. Donc, ça sera vraiment très important que vous vous interrogiez régulièrement sur comment vous revenez auprès de vos équipes, auprès de l'organisation, comment vous communiquez. Bon, on pourra échanger sur ce point dans un petit moment. Je reviendrai dessus. Et je vais transmettre la parole à ma collègue Valérie Chauvac qui voulait rebondir aussi sur les propos de l'EHPAD de Chabrignac. Oui, alors je crois que Chabrignac en plus peut prendre la parole. Juste sur la première question l'observation plutôt que l'on a eue de l'EHPAD de Chabrignac, effectivement, dans les difficultés qui ont pu être rencontrées, il y a eu des difficultés aussi d'ordre juridique, des difficultés de gestion du personnel et les recrutements sur accroissement temporaire, surtout dans les établissements comme les EHPAD qui ont été certainement particulièrement touché dans cette crise, autant que les autres, mais peut-être plus particulièrement. Je voulais juste souligner qu'il y a quand même eu des facilités qui ont été mises en place et on a pu avancer
de manière peut-être un peu moins sécurisée juridiquement, mais pour faire face à des questions d'urgence. Et nous aussi, sur notamment sur le service de remplacement qui a été fortement sollicité pour intervenir donc en accroissement temporaire ou en remplacement d'agents indisponibles. Même les collectivités qui n'étaient pas adhérentes au service et pour lesquels d'habitude on demande la délibération, etc., on s'est mis en lien avec le trésorier, et tout ça, ça a été mis en second rang, je dirais, pour faire face à la crise, mettre en place les contrats en urgence, et puis je dirais l'aspect administratif et juridique dans ce cas-là, en tout cas, a été un peu secondaire, et on a su, je pense, avoir des facilités pour réagir à tout ça. Mais j'entends bien que parfois, ça a été impactant et difficile. Valérie, je vois que Marie-Noëlle Anduru aimerait prendre la parole et peut-être si les pales de Chabrignac a d'autres choses à dire, puis pourra le prendre aussi. Donc oui. Marie-Noëlle, tu peux faire fonctionner ton micro? Oui, c'est bon. Bonjour. Désolée, j'avais un petit problème de connexion tout à l'heure. Tu avais l'impression d'être un peu seule, Florence, excuse-nous. Oui, simplement quelques constats, hein, puisqu'on est dans le retour un peu de témoignages. Ce que je trouve un petit peu difficile en ce moment, c'est la remise en route de la machine. Autant lorsqu'il y a eu le confinement, on était très opérationnel, on a été beaucoup en télétravail, hein, parce qu'on est sur un EPCI Val-de-Vienne. Très vite, tout le monde s'est organisé, tout le monde est en ordre de marche, très bien. Et là, on a mis en place des protocoles, on commence à demander un retour sur site, mais qui se fait progressivement. Et les agents, pour certains sont très très enclins à reprendre, et d'autres qui ont pris l'habitude du télétravail, je sens que c'est une certaine façon d'organisation. Je sens un petit peu la difficulté maintenant de rassembler tout le monde. Alors j'ai bien noté que l'information, la communication allait être essentielle, hein, le rôle des managers aussi, hein, de remobiliser un peu les agents qui ont pris certaines habitudes. Et puis la difficulté, je l'entends aussi, hein, c'est que jusqu'au 2 juin, j'ai conscience qu'il y a beaucoup d'agents qui ont des enfants, qui sont en télétravail avec les enfants. Alors c'est pas simple, ça j'en conviens tout à fait, mais c'est pas simple non plus parce qu'ils peuvent pas les remettre dans les écoles, ils peuvent pas les remettre dans les crèches, ils sont pas prioritaires, et ils me disent du présentiel, ça va être compliqué, on n'est pas sûr de pouvoir revenir le 2 juin non plus. C'est cette réorganisation qui est assez complexe finalement, je sais pas comment le ressent les autres collègues. Et à côté de ça, d'autres agents qui eux, depuis le départ, plus les agents de terrain veulent, n'ont qu'une hâte, c'est revenir, hein, bien sûr. Alors, tout à fait, j'adhère complètement à ces propos. C'est vraiment un constat qu'on a pu faire au niveau du départ de la crise. C'est vrai que en réaction, on a eu beaucoup d'idées qui ont émergé de facilité. Par contre, au niveau de la reprise d'activité, ben, c'est vrai qu'il y a 2 mois qui se sont passés où les gens ont été dans des situations peut-être un peu anxiogènes et dans un contexte aujourd'hui donc qui a un peu fatigué malgré tout, et puis des habitudes autres qui ont été prises. C'est pour ça que le plan de reprise d'activité va avoir un vrai rôle, je pense, de levier pour ramener à mobiliser ou remobiliser les agents dans la reprise, parce que on a aussi d'autres modes d'organisation qui sont mis en place et qui ont finalement permis de répondre. Et c'est vrai que la remobilisation, parfois, elle est un petit peu complexe, et c'est vraiment ce qu'on va essayer de regarder et de voir comment mettre en place des choses et quels outils utiliser. Oui, effectivement, je rebondis sur les propos de Valérie. C'est toute la réflexion qu'il faut mener, je pense, dans le cadre du plan de reprise d'activité. Hein. Encore une fois, le plan de reprise d'activité, il va se faire petit à petit, progressivement. Il y a eu un premier plan de reprise d'activité à partir du 11 juin, mais il y en aura d'autres. Voilà, vous évoquez notamment la date du 2 juin, et il y en aura peut-être d'autres dans la continuité. C'est vraiment un document qu'il faut, à mon sens, re-questionner. Et tous les éléments que vous avez fait remonter, on reviendra aussi sur ces points,
puisque je crois que c'est des éléments qu'il va falloir bien sûr prendre en considération et peut-être analyser à minima, c'est-à-dire, enfin autrement dit, la fatigabilité des agents qui ont été fortement mobilisés durant la période de confinement. Effectivement, le changement de l'organisation, il y a des collectivités qui n'étaient pas complètement prêtes à l'organisation en télétravail, donc ça a pas mal bousculé à la fois les habitudes, ça réécrit les relations, donc ça, il va falloir en tirer des conclusions. Et puis après, ce que vous évoquiez à juste titre, effectivement, c'est la contrainte ou l'adéquation vie professionnelle et vie personnelle qui, dans cette période-là, a été extrêmement exacerbée. Quand je disais le bénéfice risque les points positifs ou les risques, l'adéquation vie pro-vie perso a été, je pense, pour les agents assez compliquée et encore compliquée à vivre. Effectivement, je vois dans les observations sur le chat, beaucoup parlent du télétravail. Je pense que c'est effectivement quelque chose, une organisation sur laquelle il faudra qu'on revienne maintenant. Nous, c'était en Corrèze peu développé, mais je pense que cette période aura vraiment mis l'accent sur cette notion de télétravail. Et je pense que pour certains agents, il va y avoir une demande. Donc, c'est un point sur lequel il faudra qu'on revienne. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? S'il n'y en a pas, je vous propose de recontinuer, de reprendre la main sur le diaporama et puis de petit à petit aborder la méthode de construction d'un plan de reprise d'activité. Ce qui nous amènera encore une fois à réaborder tous ces propos. Je vois qu'il n'y a pas d'autres réactions. Je partage mon écran. Donc, le plan de reprise d'activité. Donc, l'objectif, ça va être de mener une démarche globale de reprise d'activité qui passera essentiellement, et ça va être la majeure partie en tout cas de mes propos, sur la planification de cette reprise, l'analyse, la planification et au bout du bout, la définition d'une stratégie de reprise. Mais encore une fois, laquelle stratégie pourra être re-questionné et pourra, en fonction de l'évolution de cette crise, être adapté. Voilà. En plus du plan de reprise d'activité, et c'est là où je recollerai par rapport au témoignage que vous avez évoqué, l'importance de diagnostiquer les impacts de la crise et puis l'importance après d'en tirer des leçons, de valoriser les retours d'expérience. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un focus sur le plan de reprise d'activité. Alors, rapidement, pour resituer ce qu'est le plan de reprise d'activité, donc, idéalement, à mon sens, le plan de reprise d'activité, il s'inscrit dans la continuité du plan de continuité des activités. Vous verrez après dans le support méthodologique que finalement, le point de départ des réflexions du plan de reprise, c'était également le point de départ du plan de continuité des activités. Ce que je vous propose, c'est de passer rapidement sur cette diapositive, mais voilà, dans la chronologie, et même après dans la forme, on pourra évoquer la forme d'un plan de reprise d'activité. Il y en a qui n'emploient pas ce terme-là. Le plan de reprise d'activité fait partie intégrante du plan de continuité, mais ça, c'est que de la forme, mais en tout cas, il s'inscrit pour moi dans la continuité. Si on se pose la question, quel intérêt, pourquoi rédiger un plan de reprise d'activité. Et on peut se poser la question, quel est l'intérêt, surtout dans cette période où les organisations sont extrêmement contraintes, finalement, n'ont pas besoin de contraintes supplémentaires. Mais je crois que c'est une méthodologie qui me semble intéressante dans le sens où elle nous permet de prendre un petit peu de recul, elle permet de fixer les idées, peut-être de les clarifier, et d'en faire un outil finalement d'aide à la décision pour l'employeur. Donc, rédiger un plan de reprise d'activité, c'est faire en tout cas un effort méthodologique, c'est s'assurer que l'on s'est bien posé toutes les questions pour essayer autant que possible que la stratégie qui finalement sera décidée
sera la plus juste ou la plus adaptée à la collectivité et à l'organisation. Donc après, on rentrera, je crois que c'est ce qui va être intéressant, un peu plus dans le détail de ce plan-là. En tout cas, le point de départ qui est, selon moi, assez important, et qui l'a été pour le plan de continuité des activités, c'est vraiment la définition, alors là aussi, selon la taille des collectivités, d'un comité de pilotage, d'une cellule de crise, ou bien d'un groupe de travail. Ça, c'est primordial. Et de bien... s'assurer que les fonctions, en tout cas des personnes qui feront partie de ce comité de pilotage ou de ce groupe de travail, bon, à l'intérieur duquel évidemment il va falloir qu'on retrouve le décideur ou les personnes qui vont porter en tout cas ces réflexions auprès des décideurs, mais au sein de ces comités de pilotage, on va retrouver notamment aussi des compétences. On voit bien que l'aspect finance rentre en jeu, l'aspect RH rentre en jeu et l'aspect prévention aussi rentre en jeu. Donc là aussi sur la méthode, si toutefois vous avez défini un comité de pilotage, une cellule de crise ou bien un groupe de travail pour travailler, que ce soit sur le plan de continuité des activités ou le plan de reprise d'activité, il est important qu'il soit suffisamment complet. Peut-être pas trop nombreux, parce que là, on est en gestion de crise. Donc, pour moi, un comité de pilotage ou une cellule de crise, du coup, c'est un comité qui est quand même assez restreint, mais en tout cas, qui doit être en même temps dans ses compétences suffisamment... finalement transversal pour aborder tous les thèmes qui seront formalisés dans le plan de reprise d'activité. Donc ça peut faire partie aussi d'une question que je vous pose, et je pense notamment aux compétences de préventeurs, les conseillers prévention, les assistants de prévention. Est-ce que vous avez dans vos démarches associé ces personnes-là dans le plan de continuité ou le plan de reprise d'activité? Voilà, quelles fonctions avez-vous pu associés dans le comité de pilotage ou le groupe de travail? Bon, là, je garde l'écran, je ne sais pas s'il y a des réponses du coup à ma question. Comment s'est passée finalement la composition de votre groupe de travail, de votre comité de pilotage? Est-ce que finalement c'était uniquement le ou la DGS, le secrétaire de mairie, en lien avec le maire, ou bien vous avez associé d'autres services, d'autres compétences au sein de ce comité ou de ce groupe? Alors, il y a quelques réponses. Marie-Noëlle Anduru nous dit que les agents de prévention ont été associés. D'accord. Françoise Sanran, la même chose. Ce qui me semble être primordial, en tout cas dans cette démarche. Stéphanie Deschamps sur Fétia nous dit que ça n'a pas encore été mis en place. Et alors là, en gestion de crise, encore une fois, la cellule de crise, c'est un comité qui est réduit. Dans ces périodes-là, il est compliqué d'associer à ces réflexions assez largement l'ensemble de la chaîne hiérarchique et des agents. L'objectif, c'est d'être réactif dans la construction de la démarche. Voilà, donc d'autres remarques. Donc, le premier point, définition d'un comité de pilotage, cellule de crise. Autre question, c'est pour combien de temps un plan de reprise d'activité? Donc là, ma réponse, sans botter en touche, va être de dire tout dépend la stratégie de reprise qui sera mise en place au sein de l'organisation. Tout dépend de la collectivité, tout dépend de l'analyse des risques que vous aurez fait et de la stratégie au bout du bout qui sera décidée. Voilà. Alors, en retour d'expérience, il y a des collectivités qui ont défini un plan de reprise jusqu'au 2 juin, puisqu'elles étaient calées sur les annonces gouvernementales. D'autres collectivités qui sont allées beaucoup plus loin que le 2 juin. Là aussi, pour j'imagine en tout cas, d'avoir une vision un peu plus lointaine au niveau de l'organisation. Et du coup, ça me fait écho au témoignage que l'on a eu tout à l'heure, quand vous disiez qu'il faut aussi du temps à l'organisation pour mettre en œuvre tous les protocoles que l'on décide. C'est peut-être aussi dans cet état d'esprit que la collectivité a aussi choisi d'aller plus loin dans sa temporalité. Mais en tout cas, l'important, c'est de mettre en place cette analyse, et à l'issue de l'analyse,
on définira une stratégie de reprise et on définira la temporalité de cette stratégie. Oui, Valérie. Ce qui est important, effectivement, c'est de bien avoir en tête, en tout cas, que le plan de reprise d'activité, il doit avoir une période définie. Et effectivement, comme le disait Vincent, parfois, la période est courte, mais ça ne signifie pas que le plan de reprise d'activité, il va se limiter au 2 juin. Ça veut dire qu'on va revenir dessus et qu'on va être amené à le prolonger et à l'adapter en fonction à la fois des décisions prises au niveau national et puis de l'adaptation du plan au niveau local et des constats que l'on aura pu faire. Simplement, je voulais mettre l'accent sur la nécessité d'avoir une période qui est définie et qui soit bien identifiée dans votre plan de reprise d'activité. À ce stade, j'ai envie de rappeler aussi qu'un plan de reprise d'activité, mais comme un plan de continuité des activités, parce que j'ai souvent eu la question par rapport notamment à l'enjeu juridique, c'est vrai que stricto sensu, il n'a pas d'obligation réglementaire. Hein, les collectivités n'ont pas d'obligation réglementaire de réaliser un plan de continuité ou un plan de reprise d'activité. Il faut simplement le prendre comme un support méthodologique ou un outil organisationnel ou managérial qui fixe en tout cas les décisions et les mesures qui seront mises en œuvre pour appréhender du coup cette reprise. Si ça vous intéresse, on pourra revenir sur les obligations, l'enjeu juridique et sur vraiment les obligations réglementaires qui incombent aux collectivités sur cette période de crise et sur les risques professionnels et notamment le risque biologique. Quand on rentre dans les principales étapes du plan de reprise d'activité, une fois qu'on a fixé la composition de la cellule de crise ou du comité de pilotage, les étapes finalement sont assez similaires pour ceux qui l'ont pratiqué, des démarches d'évaluation des risques professionnels et de construction du document unique, c'est-à-dire une étape de recensement des missions et des activités de travail des agents. Donc ça, c'est par analogie, c'est une des premières étapes quand on bâtit un document unique d'évaluation des risques professionnels, une étape de priorisation des missions et des activités, une étape d'organisation et de sécurisation de la reprise, une étape de communication, de sensibilisation et puis ensuite d'actualisation du plan de reprise. Si je rentre un petit peu plus dans les trois premières étapes, le recensement des missions des activités et la priorisation des missions et des activités. Là aussi, j'ai bien conscience, on est en période de crise, donc important de réunir au préalable un peu tous les outils que vous avez au sein de vos organisations et qui fixent justement ou qui tracent cette organisation. Alors, c'est non exhaustif, mais en tout cas, pour cette étape-là, important de réunir les règlements intérieurs, les fiches de poste, les organigrammes, la cartographie des métiers de votre collectivité lorsqu'elles existent. Et tout ça, alors le document unique, j'évoquais le document unique d'évaluation des risques professionnels, tous ces éléments qui fixent votre organisation vont pouvoir vous aider ou vous faire gagner du temps dans cette étape-là. Alors, petit à petit aussi, je zoomerai sur des outils que l'on propose auprès des collectivités. Parce que les centres de gestion, en tout cas les trois centres de gestion de l'ex-région administrative Limousin, ont travaillé des outils qu'ils mettent à disposition des collectivités, vous permettant de lister toutes les missions et les activités, et vous permettant, étape 2, de prioriser les missions et les activités des collectivités. Je vous donne un exemple d'outil, mais qui est très simple. Alors, quand je vous montre un outil, je le prends avec beaucoup de, je vous le montre du moins avec beaucoup d'humilité, dans le sens où c'est des outils qui sont faits finalement avec les moyens du bord, qui sont très simples. Mais je crois que pour qu'un outil soit efficace, il faut qu'il soit complètement adapté à votre organisation. Quand je vous dis ça, je vous dis pas c'est l'outil idéal, c'est un outil parmi tant d'autres.
En tout cas, je vous invite à revenir auprès des CDG du CDG de votre département pour avoir connaissance, en tout cas, des outils qu'ils proposent aux collectivités. Et nous, ce que l'on aime bien, en tout cas, en Corrèze, c'est bien sûr, on part d'outils qu'on propose, mais c'est aussi de travailler en lien avec les collectivités pour l'adapter vraiment à l'organisation. Donc, je vous montre rapidement un exemple d'outils que l'on peut utiliser pour tracer la première étape de recensement des activités et de priorisation des activités. Donc, c'est des outils assez simples. Hein. Là, on est parti sous l'applicatif Excel. Voilà, et un outil qui permet de lister l'ensemble des activités et dans un second temps de prioriser, c'est-à-dire se questionner quelles sont dans mon organisation les activités qui sont essentielles à la reprise ou les activités qui sont secondaires. Alors là aussi, hein, sur l'outil que vous voyez affiché, la priorisation des activités se fait en 4 niveaux. On n'est pas forcément obligé de décliner en 4 niveaux l'analyse des priorités des activités de travail. Voilà. De mémoire, en tout cas pour le centre de gestion, il y avait 3 niveaux. Les activités prioritaires, les activités secondaires. Et puis après, le troisième niveau, c'était les activités qui, quoi qu'il arrive, ne peuvent pas encore démarrer ou en tout cas qui sont différées. Voilà. Je reviens sur le diaporama. Donc, le recensement des missions et des activités de travail, je vous disais, vous pouvez vous appuyer sur les réflexions des documents uniques à ce stade. Là aussi, s'il y a des analogies dans les documents, s'il y a des liens dans les documents, ça me semble intéressant. Ça permet à la fois de valider les réflexions à un moment donné. Quand on construit un document unique d'évaluation des risques professionnels, la première réflexion que l'on se pose, c'est définir des unités de travail. Et une unité de travail, c'est un ensemble cohérent d'activités de travail. Donc, je trouve que ces réflexions-là, on peut complètement les transposer dans la construction du plan de reprise d'activité de la collectivité. Je vous montre un autre outil aussi qui a été réalisé par les centres de gestion, qui est très simple, mais qui permet parfois de gagner du temps dans la liste des collectivités. Voilà. Ça, c'est des outils que l'on rédige pour les collectivités et que l'on donne notamment lorsqu'on accompagne dans des démarches d'évaluation des risques professionnels. Vous avez la notion d'unité de travail, donc administrative, technique, sociale et j'en passe. Et vous avez toute une checklist finalement de situations de travail ou d'activités de travail. Donc, vous voyez, c'est assez, je passe assez rapidement, c'est assez précis. En tout cas, c'est des outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour petit à petit alimenter votre plan de reprise d'activité. Je le balaye très rapidement, mais je pense que tout le monde, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de cette liste ou de vous lire cette liste. Le message que je souhaite faire passer, c'est simplement de dire que les centres de gestion ont essayé autant que possible de prémâcher le travail ou travailler des outils qui vous permettent peut-être plus rapidement de construire ce plan de reprise. Voilà. Et je l'évoquais tout à l'heure, donc l'étape numéro 2, c'est l'étape de priorisation des missions et des activités. Je vous remontre pas le tableau. Là aussi, hein, dans la méthode que je vous propose, c'est d'identifier en tout cas les activités de travail, c'est d'essayer d'identifier les activités de travail qui sont urgentes et importantes, celles qui ne le sont pas du tout, qui seront différées, qui peuvent pas être redémarrées, et faire la distinction entre les activités, ça c'est moins évident, qui sont urgentes mais pas forcément importantes et non urgentes et importantes. Donc voilà, on peut proposer en tout cas des démarches qui sont plus ou moins complexes, mais encore une fois, le choix de l'une ou l'autre des démarches, ça va dépendre de vos organisations, de la culture et de la culture en interne. Voilà. Je ne sais pas si à ce stade de la présentation, ça amène des interrogations
J'ai envie de faire une pause. Je reviens sur la visio. Alors, il y avait une question sur le passage en comité. Où j'ai commencé à présenter les outils, j'ai commencé à présenter la démarche qui passe par une checklist des activités de travail et une priorisation dans chacune des activités de travail. Est-ce que ça amène des interrogations? Donc, Vincent, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Oui, Florence. Donc, peut-être Marie-Noëlle, si tu veux prendre la parole pour la question sur le passage en comité technique. Ah, oui. Oui, excusez-moi, du coup, j'avais posé la question tout à l'heure quand vous parliez qu'il n'y avait pas d'obligation réglementaire. C'était juste pour que vous nous confirmiez bien qu'il n'y a pas de passage en CT en ce qui concerne le PRA. Alors, pas d'obligation, en tout cas stricte et réglementaire, d'avoir un plan de reprise d'activité. Pour autant, il y a quand même une obligation de réglementaire d'associer le comité technique ou le comité hygiène et sécurité à l'organisation du travail ou aux mesures de prévention qui sont prises pour appréhender ce risque biologique. Je ne sais pas si je suis clair dans ma réponse, vous me dites. Peut-être. Oui, mais... pardon. J'entends, hein, effectivement, même si ce n'est pas forcément une obligation réglementaire, j'imagine, et ça me paraît tout à fait opportun, d'en informer les représentants du personnel, d'informer les agents, etc. Hein. Donc, c'était bien dans cette logique-là. Nous, on avait l'intention de le faire. Simplement, on ne l'a pas encore fait. Vous voyez, on a pris un peu plus de temps que peut-être pour le PCA qu'on avait transmis tout de suite. Oui, simplement, pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent, c'est pas une obligation d'un avis préalable du CT comme on peut l'avoir sur d'autres questionnements, mais en tout cas, le conseil qu'on apporte, effectivement, c'est de le présenter dans le cadre du dialogue social aussi aux instances paritaires. Je sais pas si c'est la réponse que vous souhaitiez sur ce point-là. Oui, oui, mais tout à fait, c'est ça, on est bien en phase, hein, y a pas de souci. Hein. Merci. C'est une question que je trouve hyper importante et ça fait encore écho à la situation que l'on vit, c'est-à-dire qu'on est vraiment en gestion de crise. Donc, si on est vraiment psycho-rigide par rapport à l'analyse réglementaire, c'est oui, il faut un avis du comité technique ou du comité hygiène-sécurité sur l'évolution de l'organisation du travail que l'on met en place ou la mise en œuvre des mesures de prévention. À présent, on est en gestion de crise, c'est-à-dire qu'on est, je pense, bien conscient. Et là aussi, c'est l'ACFI de la Corrèze qui vous parle. Donc, il prend en considération aussi l'aspect réglementaire. Mais malgré tout, qu'on est bien conscient qu'en situation de crise, on n'aura pas la possibilité ou ce serait compliqué de réunir l'instance de dialogue social. Donc, j'ai envie de faire passer le message, c'est à minima informer le CT-CHSCT. Donc, ça sera peut-être pas une réunion formelle avec le quorum. On va peut-être pas les solliciter pour avis, mais à minima, leur transmettre les éléments de réflexion et la stratégie qui sera mise en place par la collectivité pour reprendre l'activité. Est-ce que ça répondait à votre question? Oui, oui, excusez-moi, j'avais refermé mon micro. Je l'entends complètement. Merci. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Pouvez-vous montrer un exemple de tableau complété? Oui, j'ai un exemple, je le montrerai un petit peu plus tard. Ouais, ça, c'est possible. Priorisation des activités a été très importante aux écoles avec l'application du plan sanitaire. Ouais, effectivement. Alors, quand j'évoquais les outils, vous verrez, il y a des outils qui sont effectivement créés par les centres de gestion, mais parfois vous serez amené à utiliser d'autres outils qui sont extrêmement intéressants. Après, ce qui est compliqué sur cette période-là, c'est que finalement, on a plein de sources, on a plein d'outils qui sont très intéressants, qui arrivent d'un peu partout, mais à un moment donné, ça va être de fixer un peu ces idées. C'est bien là la difficulté. Pour les écoles, il y a effectivement des outils
ont été rédigés directement sur le site du gouvernement. Ce que l'on a prévu, c'est qu'à la fin du diaporama, il y a une dernière diapositive qui vous donne des liens vers des ressources et des outils que vous pouvez utiliser, donc autres même que ceux du centre de gestion. Là aussi, on a simplifié, on a cité, je crois, 4 ou 5 sources. Mais en tout cas, j'ai trouvé que sur le site du gouvernement, ça s'était monté quand même en puissance petit à petit, et qu'à ce jour, il est relativement bien fourni. Et il va, je trouve, dans un niveau de détail assez intéressant, notamment sur les écoles, sur les espaces verts, sur les activités bâtimentaires, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade ? En tout cas, je suis content de savoir que des assistants de prévention ont participé au processus décisionnel de rédaction des plans de continuité ou des plans de reprise d'activité, parce que j'ai pu parfois me poser la question, peut-être auprès de collectivités corréziennes, voilà, sur le niveau de participation de ces acteurs-là. Juste... Marie-Noëlle Anduru, du coup, je reprends la parole 2 minutes. C'était juste par rapport à ces plans de continuité ou de reprise et la place des élus. C'est vrai que nous, le président est assez présent, mais on a quand même monté les choses de manière rapide. Il a fallu, vous le disiez tout à l'heure, faire face à une crise sans précédent et sans référentiel. Ça a été un petit peu plus difficile après, en tant que PCI, hein, communauté de communes, de faire corps avec tous les maires qui étaient finalement... très centrés sur leurs problématiques communes. Et dans l'intercommunalité, bon, maintenant, ça y est, on a mis en place des bureaux communautaires en visio, mais je reconnais que le PCA, on l'a monté entre nous. C'était juste un constat, je ne sais pas si les autres sont dans le même cas. Mais je pense qu'on était vraiment en période de crise, effectivement, et avec une nécessité de faire vite. Hein. Donc, selon les collectivités, effectivement, il y a eu une implication plus ou moins importante. Dans les communes, moi, il me semble que les élus étaient quand même assez présents sur la mise en place de ce plan de continuité et ensuite pour la reprise. Peut-être qu'effectivement dans les établissements intercommunaux, du coup, ça a pu avoir un impact et être plus compliqué, oui. Après, moi, ça m'amène juste une réflexion sur la méthode. Du coup, j'entends ce retour d'expérience, c'est très intéressant. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que sur la méthode de travail, en fait, dans le processus de construction du plan de continuité ou plan de reprise, ça a été l'élu a toujours été présent dans cette construction. Et en tout cas, s'il a toujours été présent, est-ce que finalement, dans la méthode, il n'y aurait pas d'abord une temporalité finalement d'analyse qui doit être mise en place par l'organisation, on va dire, je sais pas, DGS et les responsables de service, pour déjà fixer quelques idées de ce que l'on pourrait proposer dans le plan de reprise d'activité, et dans un deuxième temps, finalement, une phase d'explication auprès des élus et d'arbitrage. Alors, en ce qui nous concerne en Val-de-Vienne, c'est tout à fait ça. Après, je vois que les collègues élus, là, que Laurence, notamment à Élan, peut-être a eu des élus plus associés dès le départ. Après, nous, la cellule de crise, on l'avait aussi volontairement restreinte au président, premier vice-président en cas de défaillance, entre guillemets. Mais c'est vrai que ceux qui avaient des activités, enfin forcément exécutifs maires, ont été tellement sur le terrain et tellement mobilisés dans leur commune que l'interco est venu en deuxième échelon, forcément. Et dans la reprise, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que c'est exactement les deux phases que vous évoquez. On commence à parler organisation avec les assistants de prévention, le CODIR, on y associe le président et on y associe après le bureau communautaire. Mais c'est ce qui se passe chez nous, c'est peut-être différent ailleurs. Hein. Ce qui est compliqué, c'est parfois quand on mixe un petit peu tout et que tout le monde est présent dans tous ces groupes de travaux. Et quand on mixe la période d'analyse et la période de décision, ça peut être parfois compliqué dans le sens où il y a des enjeux complètement différents d'une fonction à une autre.
Alors, même si c'est compliqué, moi, j'aurais tendance, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais j'aurais tendance au moins à fractionner ces deux étapes. C'est-à-dire, il y a vraiment, encore une fois, l'étape d'analyse. Et c'est d'autant plus important que je crois, dans ces réflexions, on est tous, que ce soit des élus jusqu'aux agents, on est tous dans une forme d'émotion, hein, de par tout ce qu'on a pu se dire dans les propos introductifs, qui fait que ça rend... Enfin, je pense que c'est encore plus important d'y mettre de la méthode. Après, je vois effectivement dans les commentaires, selon les collectivités, il y a peut-être une approche, une implication plus ou moins différente des différents acteurs. Et puis, il y a peut-être aussi des habitudes différentes d'une collectivité à une autre. Donc, des retours d'expérience. Donc, le PCA a été réalisé avec les chefs de service et les élus. J'ai eu le président au quotidien et avec des mini-réunions de bureau. OK. Donc, voilà. Après, encore une fois, je lance des idées de méthodologiques, mais qui, à chaque fois, il faut l'adapter en fonction de votre contexte. Je vais refaire mon partage d'écran. Je vais revenir sur le diaporama. Ah, qui a disparu. Ça y est. Voilà. Donc, on passe à l'étape d'organisation et de sécurisation des modalités de reprise. Donc, je reprends première étape, donc on fixe l'ensemble des activités de travail. On s'interroge sur la priorisation des activités de travail. Et suite à ça, étape suivante, ça va être d'identifier ou d'imaginer, quand on est avant le 11 mai, on essayait d'imaginer les situations potentiellement à risque par rapport à ce risque biologique COVID-19, au regard des conditions de réalisation du travail. Alors là aussi, l'outil sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est la construction du document unique d'évaluation des risques professionnels lorsqu'il existe. Sur cette étape-là, pour moi, un acteur primordial de terrain peut être l'assistant de prévention qui peut vous donner un regard éclairé. Et j'aurais tendance aussi à m'appuyer assez largement aussi sur l'organisation et la connaissance, notamment par les responsables ou les chefs de service, de l'organisation de leurs équipes et des bâtiments. Donc ça, c'est une étape qui est pas qui est peut-être la moins évidente à faire. Essayer de se faire une projection sur la reprise, essayer d'imaginer la manière dont les situations de travail des agents vont s'organiser, et dans toutes ces dimensions, parce qu'il y aura une reprise non seulement des agents, mais je pense aussi aux collectivités qui travaillent avec des prestataires extérieurs, ou bien qui vont réaccueillir du public. Donc, il va falloir se projeter dans ces situations de travail et essayer d'évaluer a priori le risque de contamination à ce virus. Dans cette étape-là, et avant de définir en tout cas les mesures de prévention, ça sera important de faire aussi un recensement des effectifs que vous aurez à disposition ou bien des ressources. En n'oubliant pas tous les éléments contextuels que j'ai pu évoquer. Vous aurez au sein des équipes des personnes qui ont été fortement mobilisées. Donc, si vous le pouvez, c'est comment on peut peut-être faire une rotation au niveau des équipes. Donc, il y a plein de pistes en termes d'organisation du travail. Il y aura peut-être du personnel qui sera impacté par la reprise progressive, notamment des écoles. Donc, tout ça, l'identification des ressources que vous aurez à disposition va être une étape aussi importante. Et à ce moment-là, une fois que vous avez analysé les situations à risque, c'est à ce moment-là qu'on peut directement se projeter dans la définition des mesures de prévention qui sont envisageables. Et dans la définition des mesures de prévention envisageables, de manière analogue que dans les démarches d'évaluation des risques professionnels, on essaye de l'imaginer dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire c'est des mesures de prévention d'ordre organisationnel, d'ordre technique et d'ordre humain.
Tout cela, vous allez finalement le poser et l'écrire dans votre plan de reprise d'activité et qui sera mis à la décision ensuite de l'employeur. Je peux vous montrer du coup un exemple d'outil qui peut être utilisé. Alors, il est pré-renseigné, comme c'était demandé tout à l'heure. Donc, c'est toujours un outil très simple, hein, Excel. Enfin, très simple, mais en même temps, enfin, si je vous donne mon avis, qui en même temps, je trouve être suffisamment complexe à renseigner, surtout dans des grosses organisations, alors que ce que l'on recherche, encore une fois, c'est vraiment l'efficacité, hein, dans ce contexte-là. Mais en tout cas, c'est toujours plus simple de partir d'un outil très complet et puis d'enlever et de l'adapter, d'enlever quelques colonnes pour le rendre un petit peu plus simple. Donc, Vincent, vous avez la colonne donc dénomination de l'activité de travail. Vincent, je me permets de c'est Florence. Les situations de travail s'organisent et puis d'identifier a priori les risques auxquels les agents ou bien le public peut être exposé. Alors sur des services administratifs, ça peut être les bureaux partagés, ça peut être, il va falloir se projeter dans les flux de circulation du public et du personnel dans les différents locaux. Ça peut être pour les services techniques, c'est le contact aux usagers, entre autres. Voilà. Je commente pas toutes les colonnes. Encore une fois, c'est très complet. Dans cet outil, vous allez pouvoir fixer toutes les contraintes individuelles des agents, pardon, et vous allez pouvoir après commencer à fixer les mesures d'ordre humain, organisationnel ou bien technique. Une mesure organisationnelle, c'est est-ce que pour cette activité de travail, je peux me permettre de maintenir en télétravail ou pas. C'est comment je réorganise dans le temps ou dans l'espace la reprise du travail. Alors, les mesures très techniques, c'est vrai que je m'attarde surtout aux mesures humaines organisationnelles parce que les mesures techniques, on a tendance un peu rapidement à se jeter dessus, hein, mais c'est notamment le port de masque. Est-ce que j'exige ou pas le port de masque? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures à mettre en œuvre? Et toutes les mesures humaines qui sont, à mon sens, vraiment primordiales et sur lesquelles faut appuyer fortement, surtout au regard de ce risque-là, du risque actuel, c'est vraiment toutes les actions de sensibilisation, de communication et de formation du personnel. Vincent, est-ce que tu m'entends? C'est Florence. Vincent. Je pense que c'est Vincent qui ne m'entend pas. Mesures de prévention, dans quel délai je les mets en place et qui est en charge de mettre en œuvre toutes ces mesures-là. J'aime bien la dernière case, l'avant-dernière plutôt, c'est les conséquences associées. C'est que lorsque vous fixez des mesures de prévention, il y aura toujours des conséquences sur lesquelles il va falloir se pencher. J'évoquais l'exemple des masques. Je ne sais pas comment ça a été vécu dans votre département, mais voilà, ça pose quand même tout un tas d'interrogations secondaires, notamment sur la logistique, sur la sensibilisation des agents. Donc, à chaque fois qu'on fixe une mesure de prévention, il va falloir vraiment qu'on pousse assez loin la réflexion d'un point de vue à la fois pratico-pratique, et on intègre également la sensibilisation des agents dans cette démarche. Autre outil que vous pouvez utiliser, je vous en montre quelques-uns, hein, il y en a plein, c'est la rédaction de fiches métiers prévention qui ont été rédigées assez largement par les centres de gestion, et on en trouve aussi sur le site du gouvernement qui sont bien réalisés. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous interroger sur les mesures de prévention que vous pourriez mettre en place au sein de votre organisation. Alors, je prends l'exemple. Je ne sais pas si c'est suffisamment visible. Je prends l'exemple sur des fiches métiers qui ont été rédigées par le centre de gestion de la Corrèze. Vous avez une approche par métier. C'est des fiches pour information qu'on a rédigées en période de confinement.
et dans le cadre des réflexions du plan de continuité d'activité, mais qui ont encore leur tout leur sens dans le plan de reprise. Et c'est des fiches qui sont très très simples. C'est une approche par métier, et je vais directement au petit tableau qui intéresse, et avec des exemples de mesures de prévention collective et individuelles que l'on peut mettre en œuvre par rapport à ce métier. Voilà. Alors, c'est des mesures que vous retrouverez dans d'autres documents. Simplement pour faire passer le message que ces outils existent et que vous avez toute l'attitude de les utiliser dans la construction de votre plan. Je vous donne d'autres exemples. Voilà, vous pouvez aller aussi sur le site du gouvernement et vous avez des fiches conseils métiers, là aussi, qui sont assez intéressantes. Moi, je vous invite à les exploiter. Sur le site du gouvernement, il y avait peu de choses au début, hein, si ce n'est des informations générales sur la crise sanitaire. Et ils sont vraiment montés en puissance petit à petit. Et maintenant, vous avez une déclinaison, notamment par métier, qui est assez intéressante. Alors après, encore une fois, il faut le prendre comme étant des outils. Ce sera à vous ensuite à le mettre en perspective par rapport au champ des possibles de votre organisation. Pareil, je vais couper du coup mon écran et j'ai envie de revenir sur la visio pour vous demander ce que vous en pensez. Je suis passé très rapidement hein, sur ces méthodes. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas en faire toujours des méthodes très complexes. Est-ce que ça amène des questions? Alors Vincent, je suis désolée, je pense que tu ne m'entendais pas pendant ton intervention. En fait, tout ce qui amène un lien, tu vois, sur ton PowerPoint, dès que tu as voulu nous montrer les documents qui étaient sur des liens, sur le PowerPoint, on ne les voyait pas. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant pour les collègues de ne pas les voir, mais bon, ils sont accessibles à partir du PowerPoint qu'on va vous diffuser. Je le diffusais dans l'après-midi. Hein. Dès que vous me l'envoyez, je le diffuserai à l'ensemble des inscrits. Il y a des liens et ces liens sont opérationnels, hein, c'est ça, sur les documents du centre de gestion. Oui, alors les liens sont opérationnels, ceux du gouvernement évidemment, ceux du centre de gestion. La particularité, c'est que nos documents sont en accès privé. Donc les collectivités corréziennes disposent de codes pour pouvoir accéder à ces documents, mais les autres départements ne pourront pas. Néanmoins, en tout cas, le message qu'on peut faire passer, c'est de prendre la tâche du centre de gestion de vos départements. Pour les Creusois, ces fiches métiers ont été travaillées aussi avec la Creuse, donc il n'y a pas de difficulté à cela. Je vois qu'il n'y a pas de caméra, c'est ça? Oui, toi, on ne te voit pas là. Alors, est-ce que c'est le partage d'écran qui n'est pas… Tu vois, il faut faire terminer le partage d'écran et puis ouvrir ta caméra à toi. Donc là, on est sur le partage d'écran. En tout cas, juste le temps que Vincent règle ce petit souci technique, tout ce qui est disponible sur notre site Internet, on le partagera naturellement avec les deux autres départements. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. C'est bon, Vincent. Chacun a peut-être aussi, dans 23, dans 87, des outils spécifiques qu'ils pourront mettre à disposition. Ce qu'on présente là, en tout cas, est élaboré de manière concertée. J'essaie de lire en même temps les messages, j'espère que j'aurai tout pris en considération, mais je vois des retours qui mentionnent l'association du médecin du travail à ces réflexions. Évidemment, c'est un acteur, ça va être un acteur clé, le médecin du travail. J'ai envie de dire, si vous arrivez à l'associer aux réflexions de votre plan de continuité, au plan de reprise, c'est super. En tout cas, s'il répond présent à ce moment-là, c'est bien sûr idéal. Il faut savoir que les services de médecine ont été eux aussi fortement impactés par la crise. Et en tout cas, nous, sur notre territoire, voilà, ils recentrent quasi exclusivement, en tout cas, sur des visites médicales
qualifie comme étant urgente. Voilà. Ils continuent aussi à donner des conseils sanitaires. Ils ont été très présents pour cela. Mais après, voilà, selon la disponibilité des services de médecine du travail que vous avez au sein de vos départements, c'est pas toujours évident de les capter dans le processus de construction des plans de continuité ou des plans de reprise d'activité. Pour des raisons de disponibilité, tout simplement. Et puis, pour des raisons aussi de réactivité, parce qu'encore une fois, la construction de ces réflexions doit se faire dans des délais très, très courts. Je ne sais pas si d'autres ont des témoignages ou des retours d'expérience par rapport à l'Association du médecin du travail sur ce sujet. Mais bien évidemment, c'est un acteur clé. Je ne vois pas de réaction. Bon, très bien. En tout cas, jusqu'à présent, est-ce que mes propos étaient suffisamment clairs, en tout cas sur la démarche, qui en soi n'est pas complexe. Après, le tout, c'est de fixer à minima une méthode, d'aller consulter quand même les outils qui sont disponibles à droite, à gauche. Peut-être pas les mettre tous sur la table, parce que du coup, on y perd un peu en lisibilité, mais en tout cas, les outils qui vous semblent les plus adaptés, les utiliser pour construire votre plan. Je vois qu'il y a d'autres réactions. C'est bon. Très bien. Je vais donc continuer sur le diaporama. Alors, je suis désolé, je ne suis pas super habile pour naviguer entre le partage d'écran et les caméras. Mais à l'issue de la crise, on va être au point. Ça repart toujours au début. Tac. Donc, je reviens sur l'étape précédente. On a fixé nos activités de travail. On s'est interrogé pour savoir si ces activités, dans ce contexte-là, sont prioritaires, sont secondaires, doivent être maintenues ou peuvent être différées. On a évalué les risques liés à la reprise ou à la continuité des activités. On a défini des mesures de prévention, encore une fois, dans toutes ces dimensions, ça c'est important, organisationnelles, techniques, humaines. Et puis ensuite, on est à la phase de communication, sensibilisation des agents et de diffusion du plan de reprise d'activité. Donc sur ce point, là aussi, pas de grand discours, si ce n'est de dire que c'est bien sûr une étape clé, de revenir au niveau de l'organisation de travail. Alors, à la fois une étape clé, mais une étape qui n'est pas forcément évidente à réaliser. Alors, dans l'idéal, j'ai échangé avec Valérie hier soir encore, l'idéal, ce serait de faire une communication écrite et verbale, pour maximiser en tout cas les chances que le message soit bien compris. Donc, communication écrite, puis l'avantage du verbal, c'est d'avoir donné la possibilité, en tout cas, au personnel de poser des questions ou bien de clarifier peut-être des zones d'ombre au sein de ce plan de reprise qui a été rédigé dans des délais très, très courts. Donc, forcément, rédigé dans un contexte particulier, dans des délais très, très courts, donc il faut accepter que très probablement, vous n'aurez pas pensé à tout. Là-dessus, j'interviens pour insister quand même sur la communication et les moyens de communication qui peuvent être très, très différents selon la taille aussi de la collectivité et les habitudes de la collectivité. Néanmoins, si la communication est importante à tout moment, je pense que sur ces étapes de plan de reprise d'activité, on a pu le constater des retours de collectivités corréziennes, même quand la communication, on est dans une période de crise et on se rend compte que il faut vraiment parfois revenir sur les choses pour bien les préciser parce que il y a des modes d'organisation qui sont différents de ceux que l'on a habituellement et c'est pas toujours facile à intégrer. Donc la communication, elle est vraiment importante. Elle l'était au moment du plan de continuité d'activité où on a pu constater parfois des choses qui n'étaient pas respectées ou qui étaient écrites et mises en application autrement.
Et ça peut parfois créer des difficultés aussi au sein des équipes. Oui, tout à fait. Elle est importante. On est dans un contexte où parfois vous aurez des agents qui auront finalement décroché ou déconnecté avec le travail après 2 mois. Donc voilà, encore moins simple de se remettre en activité. Dans cette com, ça peut être intéressant aussi de se reposer la question du positionnement et repositionner ou réaffirmer le positionnement de la chaîne hiérarchique. Ça me semble aussi important. Donc vraiment la stratégie de communication, alors elle va être différente bien sûr d'une collectivité à une autre, selon la nature de la collectivité ou bien selon sa taille, mais ça va être une étape vraiment, vraiment importante. Il faut donner des retours d'expérience. Après, voilà, on a été amené à trouver aussi des outils de communication. Là, je ne vais pas parler à votre place, Valérie, mais en tout cas, nous, on a expérimenté en Corrèze la visioconférence pour annoncer, en tout cas, avant même la reprise le 11 mai dernier, le plan de reprise des activités. Ah oui, alors je pense qu'en termes d'outils, on n'a pas été les seuls à tester et utiliser un certain nombre d'outils qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser, dont on n'avait pas toujours la maîtrise, mais qui se sont au final révélés assez concluants. C'était d'autant plus important que dans certains services, on était organisé en télétravail et il y a une distanciation qui est mise pour le coup, et d'où l'importance de cette communication. Sur des petites collectivités, j'ai eu parfois des retours d'expériences compliquées où les agents avaient été positionnés en ASA au départ et puis spontanément de même, je parle surtout de petites collectivités, on avait une période notamment de temps clément, on va dire, et l'envie des agents d'intervenir pour aller entretenir la voirie, les espaces verts, qui intervenaient spontanément sans consulter qui que ce soit, donc des doubles positions, activité et ASA, et puis la secrétaire de mairie qui arrive et qui découvre tout ça un petit peu sur le tas. Donc des difficultés, voilà. Donc la communication, parfois importante à reprendre pour bien caler les choses. Donc stratégie de communication importante, oral, écrit, les deux. Mode de communication, est-ce qu'on utilise le système de visio ou d'autres systèmes? Si on utilise les nouvelles technologies, il faut se préparer à ce que tout le monde soit pas forcément outillé ou pas forcément à l'aise avec ces outils. Alors, c'est pas pour autant qu'il faille ne pas l'utiliser. C'est un peu les charges qu'on avait eues avec Valérie. On s'est dit, mais mince, on va peut-être oublier certains collègues dans cette démarche-là. Mais au bout du bout, dans le chemin de la réflexion, c'est de dire, ben, tant pis, on est dans l'urgence, on essaye quand même. Ceux qui peuvent se connecter, assister à la visio, ben, c'est très bien, tant mieux. À présent, on n'oublie pas ceux qui... J'ai des difficultés, je crois que c'est ça qui est important, c'est comment revenir vers ceux qui n'auront pas pu pour des raisons qui leur sont... Être vigilant, je pense, à n'oublier personne, et c'est pas toujours facile parce que les moyens de communication utilisés et dans le contexte de cette période de crise étaient fortement sollicités, donc on a été confrontés à des problèmes de débit, de personnes qui n'avaient pas accès au réseau, et là donc revenir vers ces personnes-là par un autre canal, c'est important aussi pour que personne soit exclu de la communication. Mais après, ce qui est important, c'est aussi la dynamique de la démarche. Enfin, en gestion de crise, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez forcément rencontrer des difficultés, mais à un moment donné, faut que ça avance. Voilà. Et dans le message, pour revenir sur la communication, bien sûr qu'il faut, tout acte, on va dire, de communication dans normal, mais là encore plus, il faut que le message soit à la fois simple, il faut qu'il soit clair, et il faut qu'il soit concis. Mais ça, c'est important, voilà, sur toutes les mesures de prévention qui seront mises en place au sein de vos établissements, de vos collectivités. Je crois que le message aussi, il faut qu'il soit humble. Et ça, je crois que les agents peuvent entendre, en tout cas, le fait que la hiérarchie, que la stratégie qui est définie a été réalisée en temps de crise et avec aussi avec des difficultés. Et qu'il soit humble, en tout cas, dans les mesures qui sont prises en disant voilà notre analyse, voilà l'arbitrage, les mesures de prévention qu'on,
qu'on vous demande de mettre en place. À présent, de dire qu'on a pensé à tout, ben, certainement pas. Mais après, ce qui sera intéressant, et du coup, ça fait le lien avec le point 5 que vous voyez affiché à l'écran, et c'est de comment j'actualise régulièrement mon plan de reprise d'activité. Alors, sur la temporalité, ce sera bien sûr à vous à la fois de le définir. La temporalité, elle pourra être dictée aussi par les annonces du gouvernement ou bien des annonces locales. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut se préparer à ce que le plan de reprise d'activité, il bouge et soit actualisé régulièrement. Voilà, pour prendre peut-être nous notre expérience, on voit déjà après une semaine de reprise, de ce qu'on se disait hier soir, ben, il faut qu'on se remette dedans parce qu'on s'est rendu compte que les premières mesures qu'on a mises en place, il y en a qui se sont complétées. On n'y avait pas pensé avant le 11 mai. Il y a des mesures supplémentaires qui se sont mises en place. Donc, voilà, nécessité aujourd'hui de le reparcourir, de le mettre à jour et puis de recommuniquer, de resensibiliser l'ensemble des personnes. Et puis, il y a la théorie et la réalité. Effectivement, on essaye d'être le plus exhaustif possible quand on construit son plan de reprise. Mais effectivement, c'est en le mettant en pratique qu'on se rend compte des points d'achoppement et d'où la nécessité de le remettre à jour. Mais pour rebondir sur la remarque de Madame Flaquière, sur l'inflation de la documentation, oui, complètement. Beaucoup de documentation, trop d'infos tue l'info parfois. Et c'est vrai que on a joué beaucoup sur l'affichage qui, au bout d'un moment, n'est peut-être plus lu parce que trop d'informations à lire. D'où la nécessité aussi de varier les modes de communication et la communication orale, pour ça, me paraît quand même adaptée aussi. Mais je suis bien d'accord que parfois, peut-être trop de documentation. C'est un écueil qu'on a essayé d'éviter aussi par rapport à nos collectivités. On a diffusé des infos sur notre site internet, qui est l'outil de communication pour nous parce qu'il permet d'être assez réactif. Néanmoins, les informations venaient au fil de l'eau jour par jour et parfois des informations contradictoires. Donc, il faut aussi prendre le temps des fois de temporiser un petit peu pour être sûr de l'information qu'on va véhiculer. Autre point qui me semble important dans cette action de communication, donc il y a la diffusion, la présentation du plan de reprise d'activité avec toutes les mesures de prévention que vous avez pu imaginer. La reprise, à l'issue de la reprise, du coup, ça va être aussi important, je crois, de repositionner et de responsabiliser en tout cas toute la ligne managériale par rapport aux agents et pour faire en sorte qu'ils accordent en tout cas un temps à chaque agent. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, donc on a appelé ça des entretiens individuels de réaccueil, on l'a appelé ainsi. Voilà, de prendre le temps, que chaque encadrant puisse prendre le temps avec les agents pour faire le point sur les deux mois qui se sont passés. Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, alors je peux vous montrer un document sur ce point. Le lien ne marche pas en fait, Vincent. Ah oui, vous me dites si le lien fonctionne. On va essayer un autre lien, mais Est-ce que ça fonctionne ? Non, je ne pense pas. Ça ne fonctionne pas, Florence. Hein. Non. Non, ça ne marche pas. Hein. Les liens sur le PowerPoint, on ne voit rien. Donc, c'est dommage. En tout cas, ça pourra être mis à disposition auprès de vos centres de gestion. On a créé toute une méthodologie d'entretien ou de réaccueil après le confinement. Pardon. Donc, l'idée, c'est de créer un temps d'échange et privilégié entre l'encadrant et l'agent afin d'aborder la manière dont a été vécue la période de confinement, savoir si les agents ont des interrogations éventuelles, voire des craintes par rapport à la reprise, et de mieux identifier aussi les priorités de travail perçues par l'agent et par la collectivité. Encore une fois, vous avez fait une évaluation a priori des activités de travail qui pourront être qui pourront perdurer dans la collectivité, qui vont être réactivées. Mais je crois que c'est important de faire une itération et des allers-retours avec les agents. Comme le disait Valérie, il y a le prescrit, il y a le réel. Est-ce que ce qu'on a fixé dans le plan, c'est concrètement réalisable?
Donc voilà, on vous transmettra en tout cas toute cette trame, comment l'agent a vécu la période, est-ce que la charge de travail qui lui a été confiée était adaptée, est-ce que l'organisation était adaptée, comment il a articulé sa vie professionnelle et la vie personnelle. Je crois que cette question, elle est importante. Quelle difficulté il a rencontré, dans quelle mesure l'articulation vie pro-vie perso a impacté son travail. Et puis ensuite, voilà, essayer d'identifier en tout cas les besoins de l'agent. Et c'est peut-être à ce moment-là aussi que l'encadrant sera amené, selon les difficultés rencontrées par l'agent, à le réorienter, voilà, soit vers la compréhension. Je ne sais pas si l'agent a besoin de plus d'éléments d'éclairage sur les mesures de prévention mises en place par la collectivité, ou je ne sais pas, de la sensibilisation sur le port de masque, sur l'hygiène individuelle ou collective. Ça peut être l'occasion aussi d'orienter ou de proposer à l'agent de rencontrer le médecin de prévention selon les difficultés dont l'agent fait part, voire selon les ressources que vous avez au sein de votre collectivité ou de vos centres de gestion, les psychologues du travail, assistants sociaux, etc. En tout cas, le message que je vous fais à passer, c'est que ce qu'on a appelé l'entretien individuel de réaccueil dans la relation encadrant agent, suite à la diffusion du plan de reprise d'activité, nous semble être un élément assez important. En tout cas, vous voyez à l'écran les outils associés, la trame d'entretien individuel, les éléments de langage, ces quelques éléments que vous pouvez utiliser pour asseoir votre communication sur ce thème, et puis une trame de checklist de reprise d'activité. Tous ces outils, finalement, pourront vous être communiqués par vos CDG. Je ne rentre pas plus dans le détail. Donc, en résumé, quelques points de vigilance, quelques conseils. Donc, la notion d'actualiser régulièrement le plan de reprise d'activité, d'être à l'écoute des agents de terrain, entendre les suggestions de ceux qui réalisent des activités, exploiter le document unique de la collectivité. Ça me fait penser à un petit retour d'expérience. En période de crise, en période de confinement, j'avais l'appel des collectivités. Oula, on n'a pas rédigé notre document unique d'évaluation des risques professionnels. Il faut qu'on le fasse 8-8-8. Réponse, et puis même réponse de l'ACPI, ben certes, c'est obligatoire. Ça aurait dû être fait depuis 2001, je crois. Néanmoins, c'est peut-être pas le bon moment de le faire. Voilà. Y a des priorités. Donc, c'est vrai qu'on parle de document unique d'évaluation des risques professionnels. Pour autant, il faut savoir là aussi reprioriser, recontextualiser toutes ces obligations. Ne pas oublier la formation et la sensibilisation des agents aux mesures de prévention. Là aussi, c'est hyper important, même sur des choses qui paraissent, comment dirais-je, très basiques. Quand j'évoquais sur comment mettre un masque, les protocoles d'hygiène individuelle, comment se laver les mains, voilà, c'est des petites actions de sensibilisation qui me semblent hyper importantes et qui peuvent assez facilement être réalisées. Là aussi, on n'a pas fixé toutes les ressources, mais vous avez des petites vidéos qui ont été mises en place, notamment sur le site du gouvernement ou bien sur le site de l'INRS, et qui peuvent vous aider à sensibiliser les agents, et c'est assez bien fait, c'est assez sympa. Ne pas oublier les nouvelles activités liées au Covid-19, ça on l'avait dit aussi un peu dans les propos introductifs. Effectivement, on va se poser la question sur comment reprendre les activités de travail, mais vous allez découvrir forcément que ça va induire de nouvelles activités, voilà, que l'on n'avait pas forcément prévues par ailleurs. Puis ne pas négliger la communication du plan de reprise. Bon, je passe sur ce sujet, je pense qu'on l'a suffisamment dit. Je reviens sur la vidéo. En tout cas, la majeure partie de notre message. Voilà, donc le temps passe très vite. Je ne sais pas si ça amène des questions. Alors, on avait quelques partages d'expérience. Marie-Noëlle Enduru, tu peux peut-être prendre la parole pour nous parler de la vidéo que vous avez faite. C'est vrai que les nouvelles technologies, là, ont été très sollicitées.
Oui, simplement, oui, j'avais mis un petit message pour indiquer que moi, quand j'ai fait un petit mail à tous les agents pour leur expliquer un petit peu comment la reprise des activités allait se faire, juste avant le 11 mai, hein, jusqu'au 2 juin, qu'on privilégiait le télétravail avec une reprise progressive de l'activité, etc., on s'est dit que ce serait peut-être bien aussi qu'il y ait un remerciement collectif à l'ensemble de tous les agents de par l'exécutif, vraiment, de par l'autorité territoriale. Bon, moi, j'envoie beaucoup de messages et on a pensé, bon, c'est la com hein, chez nous qui a dit, ben, pourquoi on ne ferait pas une petite vidéo. Donc, le président s'est prêté au jeu et il a fait un petit discours très bien, enfin, voilà, qui a beaucoup touché les agents et je trouvais que finalement, c'était quelque chose de simple, mais qui avait été fort apprécié par le personnel. Voilà. Alors effectivement, c'est intéressant, c'est ce qu'on peut, enfin ce que j'ai pu constater moi à mon niveau effectivement, j'étais pas mal en lien avec le personnel et effectivement et avec le président, mais beaucoup moins de liens entre le personnel et le président puisque le confinement et le télétravail qu'on avait mis en place se prêtait pas toujours. Donc j'ai essayé de relayer aussi au travers des mails que je pouvais adresser le retour du président, mais l'idée de la vidéo est excellente. Oui. Et là, du coup, c'est la casquette responsable de service qui vous parle. C'est vrai que les responsables de service ont été très régulièrement en lien durant cette période avec les agents. Mais à un moment donné, c'est important aussi de ne pas déconnecter complètement, on va dire, la direction générale ou au bout du bout l'autorité territoriale des agents. En tout cas, moi, je sais que ça a été, au niveau de mon équipe, ça a été fortement apprécié, au-delà d'avoir l'appel du responsable, à un moment donné, d'avoir un message hebdomadaire hein, de la directrice sous couvert du président. Effectivement, donc, je reprends vos propos. Le fait de remercier tous les agents, et bien tous les agents, ça, c'est un élément important. Après, ce qui va être compliqué, c'est à la fois remercier vraiment l'ensemble des agents, mais en même temps en prenant en considération le fait que parfois il y a des agents qui ont été soit plus exposés, soit plus investis que d'autres. Ça, en termes de coût, c'est pas évident. Alors, je dis pas que ça doit être réglé au niveau, probablement pas au niveau de l'autorité territoriale, mais après au niveau de la ligne managériale, ça va être il va falloir trouver des solutions pour en même temps bah, valoriser peut-être ceux qui ont été exposés ou fortement impactés, ou qui ont beaucoup donné en termes de travail, mais remercier tous les agents. Mais c'est vrai que c'est important ce que vous dites, parce que il y a quand même toujours un petit peu ce sentiment de certains agents ben, d'en avoir fait beaucoup plus, d'avoir été beaucoup plus sollicités que d'autres, et puis à contrario, certains qui ont été en ASA, qui le prennent pas très bien non plus. Donc c'est deux extrêmes. Bon, entre les deux, évidemment, il y a aussi une autre catégorie d'agents, mais c'est tout cet équilibre et cette harmonie à retrouver qui est pas simple, effectivement. Ah non. Et alors là, moi, j'ai pas de solution claire. Ça va être extrêmement complexe. Vous avez du personnel qui aura été placé en ASA, qui malgré tout aura pris des initiatives, qui auront rendu service à l'organisation et à la collectivité. Ils étaient placés en ASA parce que des contraintes familiales, mais néanmoins, ils ont quand même réussi à trouver du temps, fait preuve d'initiative pour rendre service. Donc, c'est comment valoriser ces actions-là. A contrario, vous avez peut-être des agents qui auront été placés dans une position de télétravail, en activité de travail, avec parfois des postures peut-être attentistes, c'est-à-dire tant qu'on ne me donne pas de travail, j'en fais pas plus que cela. Et ça va être très très compliqué. Alors Vincent, il y avait une remarque de Laurence là qui ne peut pas prendre la parole de la communauté de communes Élan qui partageait son expérience d'un courrier à chaque agent par mail et aussi dans les fiches de paye pour remercier l'implication des agents. Donc c'est voilà une expérience, un partage. Oui, c'est très intéressant. Donc la fiche de paye qu'on laisse 24 heures avant de le remettre physiquement aux agents, c'est ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Sauf si c'est envoyé. Non, mais c'est très intéressant. Oui. Et la trame de questionnaire, oui, on pourra la faire passer, hein, comme l'a dit Vincent, bien sûr.
Alors juste là, pour le coup, c'est moi, puisque c'est le CNFPT qui enverra le PowerPoint. Oui. Je voulais savoir, puisque là, on a des représentants des trois centres de gestion. Donc, et peut-être que le lien, je ne sais pas comment ça va marcher. Nous, ce qu'on propose, alors pour les collectivités corréziennes, bien sûr, on pourra, on met à disposition. Pour les collectivités qui dépendent des deux autres centres de gestion, on se mettra en lien avec les deux autres CDG et vous proposer, c'est vous inviter à faire comme d'habitude, de vous rapprocher de votre propre CDG qui pourra vous mettre à disposition ces documents. Ou on te les fait passer, Florence, et tu les transmets. Mais je pense que le plus simple, c'est qu'on les fasse passer directement aux deux autres CDG. Oui, alors peut-être que pour les trams qui ont été présentées, si vous pouvez les mettre avec le PowerPoint, oui, comme ça, j'enverrai tout dans la foulée, à la fois les trams. Et le PowerPoint, ce serait peut-être plus simple. D'accord. Merci. Alors, juste pour alimenter peut-être aussi les échanges et les questions, moi, je suis resté dans ma présentation à un niveau très, très général et très méthodologique, en tout cas de construction du plan de reprise d'activité. Mais vous avez peut-être des questions d'ordre peut-être plus technique hein, sur ce risque biologique, sur les risques psychosociaux que cela peut engendrer, ou bien sur les mesures de prévention que l'on peut mettre en œuvre sur telle ou telle activité de travail. En tout cas, si vous avez des questions, je suis prêt à les recevoir et à tâcher d'y répondre. Oui, je laisse répondre le oui, ben, c'était ma proposition hein, de faire passer par mail, en effet. De faire passer par. Oui, Valérie. Ah, non, en fait, on avait besoin de temps. Je voyais le message pour transmettre aux participants les documents par mail. C'est ce que tu vas faire, non? Oui, voilà, c'était ma proposition, Françoise. Effectivement, je vais envoyer par mail, mais comme il y avait des liens sur le document PowerPoint que je m'apprêtais à recevoir, du coup, de manière à ce que ce soit plus facile pour tout le monde, il y aura les trams, il y aura à la fois le document PowerPoint. Je vais reprendre et clôturer du coup ce diaporama, mais quand même le présenter dans son intégralité. Donc, je vais repartager l'écran. OK, pas de problème. C'est vrai qu'il nous reste 10 petites minutes. Moi, j'interviendrai peut-être 5 minutes pour parler un petit peu des rendez-vous à venir. Alors, simplement, au-delà du plan de reprise d'activité, alors pour moi, c'était vraiment le message, en tout cas, le plus important d'échanger sur ce sujet. Pour autant, sur cette période de reprise, ça sera intéressant de se poser des questions sur le diagnostic de la crise et le diagnostic dans toutes ses dimensions. En tout cas, vous voyez l'impact que cela a généré au niveau de la collectivité. Donc, faire le point sur le nombre de réunions des instances CT, CHSCT, entre autres, qui auront été réalisées. L'impact au niveau contractuel, les conséquences juridiques. Alors, les conséquences juridiques, hein, j'oublie pas, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément abordé, mais le potentiel risque contentieux que cette période sanitaire expose, en tout cas les organisations. L'impact au niveau de l'organisation et des individus, donc faire le point sur l'absence des agents, sur la formation des agents, donc beaucoup de formations ont été annulées, sont pas forcément reprogrammées, donc tout ça c'est des éléments petit à petit lors de la reprise qu'il va falloir prendre en considération parce que évidemment les agents seront dans l'attente. L'impact sur les recrutements, la gestion des agents contractuels, l'utilisation de matériel, déplacement de dossiers, modification de l'organisation et des équipes. L'impact financier aussi qui peut être extrêmement important, qu'il va falloir prendre en considération, les pertes de recettes, les dépenses exceptionnelles, les dépenses prévues mais non réalisées, les dépenses à perte, etc. Et l'impact sur les bénéficiaires, les partenaires, c'est-à-dire les usagers, l'association, les fournisseurs de la collectivité, les partenaires institutionnels. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé dans le plan de reprise d'activité par rapport
aux agents, mais vous pouvez avoir des collectivités qui fonctionnent énormément avec des partenaires extérieurs. Donc ça, il va falloir aussi trouver à la fois une reprise et à la fois évaluer l'impact de cette crise sanitaire par rapport à ces partenaires-là. Et ça se fera petit à petit, dans un second temps, hein, l'évaluation des effets de la crise et l'évaluation du coût. Là aussi, je passe rapidement, mais on va vous envoyer des outils qui vous permettront du coup de tracer et d'évaluer autant que possible l'impact financier de cette crise. Enfin, l'impact, on va dire, social et financier de cette crise. Et pour terminer, ce qui est important, une fois qu'on a évalué, qu'on a fait un bilan et un retour d'expérience sur cette crise, c'est d'essayer d'en tirer sur des leçons et de capitaliser sur les choses qui ont été finalement bénéfiques et puis les points à améliorer. Voilà. Quelques conseils, ne pas oublier les actions prises lors des premières phases de la crise, mieux préparer la sortie de crise, mobiliser les équipes sur une réflexion collective. Ça va être une réflexion quand même hyper important, c'est vraiment comment retrouver un collectif, comment remobiliser le collectif de travail. Recréer un lien, y compris avec des agents non mobilisés dans le plan de continuité des activités, partager une vision globale de l'événement, repérer les points positifs et les capitaliser, identifier les points négatifs et proposer des axes d'amélioration, reconnaître le travail de chacun et faciliter la résilience et valoriser l'expérience acquise pour la gestion des événements futurs. Donc voilà, c'est des grandes généralités, mais en tout cas, c'est de tirer des leçons de cette crise. Pour les collectivités qui m'appelaient et qui étaient alarmées sur le fait qu'elles n'avaient pas rédigé leur document unique, ben l'après-crise, ça peut être le bon moment finalement pour amorcer aussi une réflexion qui porte sur les conditions de travail du personnel et puis commencer une réflexion sur ce sujet, voire de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça me semble aussi un axe de travail pour ceux qui en ont rédigé un extrêmement important. Là aussi, donc prenez la tâche soit de vos assistants de prévention en interne ou bien du centre de gestion pour vous aiguiller sur ce sujet. Donc pareil, sur la capitalisation, je vous mettrai des outils par rapport à ça. Et j'en termine, dernière diapo, comme je vous l'ai dit, où on met des liens vers des ressources qui seront à votre disposition pour mieux appréhender donc la rédaction de ce plan de reprise d'activité, avec le premier document, j'en fais quand même pub, le guide du déconfinement qui a été réalisé par la FNCDG et la MDCDG, et pour lequel l'ensemble des CDG de la Nouvelle-Aquitaine a largement contribué. Donc ça, c'est accessible sur la plateforme de la MDCDG, avec tout un tas de partagées qui, je crois, de mémoire, sont hébergées par le CDG 69, mais qui sont accessibles par toutes les collectivités. Donc, vous verrez, alors c'est un guide qui est très dense, mais que je trouve assez bien fait. Donc après, il y a évidemment les sites internet des centres de gestion. Le ministère du Travail, je l'ai évoqué, le ministère de la Santé publique, je vous ai montré, enfin non, j'ai essayé de vous montrer en tout cas un lien tout à l'heure avec notamment des fiches métiers. Et il est intéressant aussi, pour moi c'est un peu la Bible, d'aller piocher des ressources sur le site de l'INRS, l'Institut National de Recherche pour la Sécurité. J'en ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup Vincent. Merci Vincent. Pour répondre à vos questions. Voilà, alors il y a une petite question technique sur l'amplitude de travail. Peut-on déroger à la règle de l'amplitude de travail de 12 heures, notamment ce qui concerne les agents d'entretien pour les écoles qui ne peuvent intervenir qu'en équipe restreinte avant 8 heures et après 18 heures? Alors, il y a eu effectivement des dérogations qui ont été mises en place sur la période prise, mais tout ce qui est question de dérogation nécessitera quand même une consultation des instances paritaires dès lors qu'on est au-delà des amplitudes horaires normales. Et ça sera temporaire, mais naturellement, hein, ça ne pourra pas aller au-delà. Merci. Valérie, tu peux mettre ta caméra,
s'il te plaît. Oui. Merci. Oui, pardon. Non, non, pas de souci. D'accord. Est-ce que ça répond à la question de Stéphanie? Après, sur tout ce qui est, sur tout ce qui est position des agents, où on n'a peut-être pas trop abordé, mais qui a souvent posé question, je voulais juste préciser que jusqu'à la période du 1er juin, on reste dans la continuité de ce qui était mis en place en termes d'autorisation d'absence, notamment pour les gardes d'enfants, les personnes aussi que qualifiés de vulnérables. À partir du 1er juin, il y a des choses qui vont changer. Et là, on est toujours dans l'attente de décisions au niveau national sur les personnes dites vulnérables et sur leur positionnement qui n'est pas encore complètement tranché malgré ce qu'on a pu publier ou ce qu'on a pu lire sur différentes ressources. Donc là-dessus, on communiquera aussi sur notre site internet parce qu'on devrait avoir des réponses rapides. Puis il y a eu quelques bugs aussi sur les connexions au site Amélie. Je vois aussi le retour d'expérience de Madame Andouru qui exprime en tout cas la difficulté. Notamment les agents qui ont été recrutés durant la période de confinement et mis en télétravail. Effectivement, j'imagine bien que ça puisse être difficile pour ce genre de personnes. Après, voilà, il va falloir s'interroger maintenant sur comment on les accompagne sur cette reprise. Est-ce qu'il est possible de faire un système de tutorat, voilà, essayer de trouver des solutions. Après, c'est aussi peut-être faut peut-être retrouver des ressources extérieures. Je pensais au médecin du travail. Est-ce qu'il n'est pas pertinent pour ce public-là de provoquer peut-être une visite auprès du médecin du travail? Je vois également une question du 1087 par rapport à la modification du CET, effectivement, dans la FPE. Oui, transposition dans la FPT, puisqu'on va voir sur cette année et compte tenu du contexte épargner plus de jours sur le CET et la limite des jours qui peuvent être épargnés sur le CET passe de 60 à 70 jours, oui. Donc transposition pour la FPT. Alors, question. A priori, alors là aussi on diffusera l'info, a priori je pense pas qu'il y ait de décret spécifique, on l'appliquera au titre de la parité, fonction publique d'État, fonction publique territoriale. Je mets quand même une petite réserve, on n'a pas tout à fait confirmation, mais a priori il n'y aura pas de décret spécifique. On transposera. Ok, donc je vais me permettre de reprendre la parole juste pour vous parler des rendez-vous à venir. Donc vous avez dû recevoir dans vos collectivités hier soir, le CNFPT a fait paraître les quelques dates qui se sont calées sur la période que je me trompe pas, des deux semaines à venir, celles qui étaient connues. Donc, mardi prochain après-midi, il y a le cadre juridique du déconfinement pour les collectivités qui sera animé par Michael Verne. C'est l'avocat qui avait animé la loi de transformation qui s'était passée à Bresseuil pour ceux qui ont pu être présents. Ensuite, des rendez-vous plus spécifiques sur les boues dans les stations d'épuration le mercredi. Sur la gestion d'équipe en période de crise pour les EHPAD, le mercredi aussi après-midi, le retour à date normale de la collecte sélective, le mardi 26 mai, donc ça passe sur la semaine suivante, les règles d'accueil des mineurs en périscolaire et en accueil de loisirs, aussi le 26 mai,
Et puis, le cadre juridique du télétravail après donc le décret du 5 mai 2020, puisque c'est vrai que ça va être une préoccupation d'un bon nombre de collectivités aussi, peut-être qui jusqu'à présent ne s'étaient pas beaucoup penchées encore sur le télétravail, où il peut y avoir plus de demandes. Donc, de bien maîtriser ce cadre juridique peut être intéressant. Et je voulais vous dire aussi, par rapport à ce dont on a parlé sur la mobilisation des équipes dans cette période de retour progressif, Benjamin Dreux, qui a fait déjà 2 interventions, une auprès des RH et une auprès des encadrants, qui est un intervenant sur les RPS et le management, va faire une intervention sur la mobilisation des équipes dans la période de reprise progressive d'activité, donc sur un format certainement de 2 heures, hein, comme celui d'aujourd'hui. Donc la date n'est pas calée, mais ça se fera certainement en semaine 23. Et puis, nous allons proposer un format un petit peu différent pour, alors on va appeler ça certainement renforcer sa confiance en soi. Et ah, je vois que Laurence n'a pas reçu le document de... Bon, alors ce que je vais me permettre de faire d'ailleurs, c'est dans la foulée, comme j'enverrai de toute façon les documents du centre de gestion, j'enverrai aussi la liste des rendez-vous à venir. Et ce dont je voulais vous parler aussi, c'est... donc, on est en train de créer un format un peu différent, certainement de 2 fois 3 heures, pour renforcer la confiance en soi et se situer sur son activité professionnelle. Ça, c'est pour tous les agents dont on a parlé, qui ont vécu des situations diverses pendant cette période de crise et qui vivent encore des situations diverses pendant la période de reprise d'activité. Donc, ça se fera en petits groupes de 10 maximum, sur 2 temps, avec un intervenant qui intervient beaucoup sur tout ce qui est mobilisation en situation de travail, communication et relations professionnelles, et voilà, qui pourra accompagner en tout cas les agents pour exprimer ce qu'ils ont besoin d'exprimer sur la période et se remobiliser sur leurs activités professionnelles. Donc, ça, on le lancera, je pense, à partir de début juin. Voilà, donc, ben, moi de même, il est 12h04. Je vous remercie à toutes et tous pour votre participation. Merci tout particulièrement à nos intervenants, Valérie et Vincent, et la coopération avec les centres de gestion. On se dit à bientôt. J'ai vu que certains disaient à bientôt, peut-être en vrai, en face à face. Donc oui, bien sûr, ce sera un réel plaisir, même si les technologies nous permettent de nous rencontrer. Se revoir nous fera aussi du bien. Et puis, si Valérie, tu veux dire un petit mot pour clore, hein, je te laisse la parole. Oui, merci Florence Becté, merci de votre participation active, c'était vraiment bien qu'il y ait pu avoir autant d'échanges, je trouve. Naturellement, les centres de gestion restent à votre disposition, que ce soit sur le 23, le 87 ou le 19, et je vous invite fortement à revenir vers chacun d'eux selon les collectivités, parce que on peut pas donner toutes les informations sur un créneau limité, et parfois on fait aussi le choix plutôt de ne pas diffuser, mais de vous demander de revenir vers nous pour plutôt que donner un document ou une information type qui est pas forcément utilisable comme tel, plutôt se rapprocher de nous pour qu'on puisse vous accompagner et vous répondre au cas par cas, parce que selon les structures et les collectivités, on a bien conscience que les choses peuvent être différentes. En tout cas, dans ce contexte particulier, effectivement, je crois que sur tout ce qui est la matière RH, eh bien, on se tient à votre disposition, les 3 CDG, pour répondre à toutes vos questions. Merci encore pour votre participation, et puis j'espère à très bientôt, de manière physique ou autre, mais en tout cas, à très bientôt et bonne journée à tous. Ok. Donc, Vincent ou Valérie, je diffuserai dans l'après-midi, hein, si vous m'envoyez. Ok. Voilà. On va vous occuper. Parfait. Je vous dis au revoir. Merci. Au revoir. À toi aussi. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.